Donc, Super Mario 64, randomiseur. On va tout de suite aller dans l'onglet Seed. Et là, déjà, vous avez plein d'options. Voilà, le nombre d'étoiles qu'il faut. Est-ce qu'on randomise les spawns des niveaux, etc., etc. Alors moi, je vais laisser tout en un peu classique, à l'exception d'un truc que je trouve quand même sympa. On va pas changer la couleur des étoiles, ni la couleur des pièces. Mais je suis chaud pour changer le ciel et changer la musique. Ça va être un bourbier, mais ça fait plaisir. Merde, est-ce que ça a bien pris en compte mes modifs? Ok, on va y aller dans une petite minute. A priori, c'est tout bon. Hein. Oui, c'est tout bon. Et donc, on va choisir une seed. Alors, attendez, il faut que j'aille là, voilà. On va choisir une seed. Je propose... on en est à 0 minutes... non, 0 heure, 12 minutes et 57 secondes de stream. Hop. On va prendre celle-là pour commencer. Et c'est parti. Ok. Ah oui, même les panneaux, ils sont randomisés, d'accord. Ok, il n'y a pas de spawn de là qui tue. Très bien. Allez, on va aller dans le premier niveau. D'accord. Je vais devoir redescendre pour trouver les autres pièces rouges, là. On commence direct comme ça. Ok, attendez. Ou alors toutes les pièces rouges sont disposées là, sur la suite du... Non, non, je crois bien que je vais devoir redescendre pour aller trouver les autres, hein. De toute façon, l'étoile va pas spawn au même endroit, donc ouais, il va falloir redescendre, les amis. Oh, je baisse un peu la musique parce que bon. Ah, désolé si vous avez des petits soucis de framerate. Mais je sais pas si là on est quand même dans le niveau de Bowser, ça va pas compter les... Ça va pas compter les pièces. Je suis obligé de tout redescendre pour trouver les autres pièces rouges. J'espère que je vais les trouver quand même. Est-ce que c'était une bonne idée de se lancer sur une étoile des pièces rouges? Je ne sais pas. Ouais, ça lag un peu plus qu'avec les hacks habituels, effectivement, j'ai l'impression aussi. Il y a tellement de boîtes pour récupérer des pièces, ça se trouve, il y a une étoile des 100 pièces. Hein. Non, il y a bien des pièces rouges par ici. Il y a bien des pièces rouges par ici, les amis. Ouais, d'accord, elles sont toutes là, les autres. Merde, la dernière, elle est tellement loin. C'est trop chiant de revenir en arrière à cet endroit-là. Tac. Tac. Ok, la dernière est là. J'ai pas vu où avait spawn l'étoile. Quel con. Ah, elle est juste là. Ok, super. Ça va, ça va. Ok. Putain, je vais tellement me faire cramer. Attendez. On va attendre un peu. Ça a plus bougé. Salang. Ok, du coup, on remonte tout et on va affronter Bowser. J'imagine que ce sera ça. Ah, par contre, j'arrive plus à faire ça, c'est grave. Bon, attendez.
Non mais je suis à chier. C'est trop grave. Non, je suis mauvais, hein. Voilà. Ouais, bon. Oh non, 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 non. Dites-moi que j'ai laissé des gold. J'ai pas laissé de gold, je suis un connard. En plus, il y a des trucs de feu qui t'attaquent. Ok, il y a un cœur ici. Très bon plan, ça, merci beaucoup. Ok, ça va. Putain, mais j'ai pas récupéré l'entièreté de... Ok, ok. Il y avait d'autres pièces? Oui, j'ai laissé des pièces ici, très bien. Ouais. Alors. Petite sauce là quand même. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Ah mais putain, l'autre cœur il est là. Il est en bas à droite. C'est dégueulasse. Ok. Mais attends, pourquoi ça fait rien quand... What? C'est le bouton X pour... Ah oui, mais je suis trop con. Non, c'est moi. My bad. L'habitude de la Switch. Non, mais je vais me faire fumer par un Bowser de base, là. Le mec est à chier, c'est une catastrophe. Mais oui, le roi bobomb a un petit peu changé, effectivement. Bon, là, on peut pas se rater, là. Quoi? Quoi? C'est une dinguerie, ça, par contre, ce qui vient de se passer. Non. Non, alors ça, je l'accepte très difficilement. Je me suis fait 3D head? Je me suis fait scam par le jeu. Bon, là, j'avoue, j'ai troll. Mais c'est grave d'être nul comme ça, hein. Mais attends, alors soit il y a du troll, genre ils ont randomisé les box. Waouh. Soit ils ont randomisé les box, soit c'est bizarre. Ok. Non mais dans mon souvenir, les box elles ont 10 000 fois plus de hitbox. Tu tentes un speedrun, bah pas là déjà du coup. Allô? D'accord. Ah mais du coup on ressort par la vraie sortie. Ah. Attends, cette porte-là, je peux pas l'ouvrir. J'suis obligé d'aller là-dedans. Au secours. Vas-y, on va aller prendre... Oh là là, l'enfer. Ça me fume que ce soit cette musique-là, je sais pas pourquoi. Ah merde, là... Ok. Ah, par contre, les coffres, ils sont sympas, ils nous ont mis des numéros. Sauf si c'est pas les bons. Ah si, c'est les bons. Toutes les seeds sont finissables, je sais pas si elles sont finissables à 100%, mais normalement c'est plutôt bien foutu. Après il y a un mode difficile où tu peux te retrouver avec plus de dingueries.
Genre les étoiles des 100 pièces, ce genre de truc, je sais pas par exemple à quel point c'est possible ou pas. On va aller chercher... Est-ce qu'on peut... on part sur des 100 pièces là justement en vrai? Non, et le bateau il est pas dans le même sens que d'habitude là. Le bateau il est tout bizarre. Non? Je sais plus. Vas-y, je farm les gold. Ah si, si, le bateau il est normal. Il est parfaitement normal le bateau. On va aller voir un peu par là. Le but c'est de finir en ayant toutes les étoiles. On va dire 70. On va dire 70. C'est quoi cette étoile avec marqué 6 dessus là? Donc là, il y a le coffre numéro 2, bien sûr. Merde! Ok. Je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à pas l'attraper. Ok, on sait qu'il y a une étoile ici. Bon là, c'est trop simple, il y a des étoiles toutes simples là. Donc là, dans cette zone, il y a deux étoiles. Oh putain, les pièces bleues, elles vont spawn à des endroits random. Ok, ça va, ça va, ça va. Elles sont simples. En vrai, elles sont simples, on a de la chance. Ok, on part sur l'étoile des 100 pièces, c'est sûr. Pourquoi la... l'anguille, elle est sortie, là. J'ai peur qu'elle me... j'aime pas l'anguille. Ok, il y a une rouge là-bas. Je sais pas si on peut tenter les rouges ou pas, en vrai. Merci Alpaga pour tes 4 ans, merci infiniment, coucou à toi, merci beaucoup. Vas-y, je sens que les pièces rouges, ça va être un bourbier de toutes les trouver. Attends, quoi qu'il en manque plus qu'une après celle-là en fait. En vrai, c'est jouable. Si la dernière, elle est genre... ah, elle est là-bas. Putain, il me faut un canon pour... je l'ai vu, je suis sûr, je l'ai vu. Je sais pas s'il faut un canon ou pas. Attends, comment je fais pour monter, là, en fait? Je peux pas? Ah, si. Oui, de toute façon, ça servait à rien. Ok. Ah oui, elle est juste là. F. Je suis à chier, my bad. T'inquiète, Alpaga. Bon, on va y aller en régu parce que je suis trop nul. Putain, elle est quand même à un endroit chiant. Hein. Ok. Putain, avec les trois blocs casquette métal au même endroit, là. Les numéros sur les étoiles, c'est pas le numéro de l'étoile du monde. Si, si, c'est ça. Si, si, carrément. C'est complètement ça. C'est sûr. Bon, on a pris les étoiles les plus chiantes, hein, en vrai. Et alors, par où va nous faire sortir le jeu? Ça, c'est la question que je me pose. Par où le jeu va-t-il nous faire sortir, du coup? Est-ce que c'est par le... ah, mais à chaque fois, il te fait sortir par le tableau de la vraie map. Ou alors, j'ai désactivé un truc sans faire exprès, mais... ok. Donc on est dans le bon niveau. Peut-être que les niveaux comme ça sont pas randomisés. Ou alors c'est du hasard. Bon du coup voilà, c'est juste l'emplacement des pièces
qui change, il n'y a rien d'autre dans ce niveau. Ouais, 5, 6. J'aime bien le fait que l'emplacement est presque plus intéressant que dans l'original. Putain, par contre, la musique, au secours. Vraiment au secours, la musique. J'espère que vous aimez bien la musique, là. J'ai un bon gros mal de crâne avant de lancer le stream. Merde, elle est où l'étoile déjà? Hein? Merde, elle a spawn où? Putain, elle est super haute. Ok. Du coup, si je vais là-dedans, on va avoir un autre niveau. Hein? Ok. Mais attends, là, je vais vers l'arrière, là. Faut que je fasse attention. Pas d'autres pièces vers le spawn? Non, ok. Ils mettraient pas des pièces rouges là-dedans, ils ont pas le droit, ça. Ça, niveau déontologie, c'est pas possible. Ok, donc on peut activer le switch de la casquette de Mario de métal. Voilà. J'aimerais bien voir s'il y a de la pièce rouge là. Alors déjà, putain, là, le bloc dans l'eau. Oh, elle va être trop chiante à avoir celle-là. Oh, celle-là aussi, putain, faut pas que je meure. Ok. Ok, ça va être un peu chaud en vrai. Mais ça doit être jouable. On va faire en deux temps. Hein. Ah mais il y a une casquette métal ici. Ok. Non, je pense que le dernier Bowser est pas randomisé. Putain, merde. Je pense que le dernier Bowser est pas randomisé, effectivement. Sinon, effectivement, ça a assez peu d'intérêt. Ok. Oh la musique. Ah oui, mais du coup je suis ressorti dans ce niveau, d'accord. Ce qui est un non-sens, hein, mais... Oh non, la musique, putain. Je veux prendre une étoile et me barrer d'ici. Ah! Je l'ai traversé. Oh bah tiens, allez. Hop. C'est ciao. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Bah si, c'est le dernier niveau. What? Ah non, c'est pas le dernier niveau. Ah, je me suis fait bait. Oh, je me suis tellement fait bait. J'étais en mode, oh putain, déjà le dernier niveau? Ah ouais? Non, non, non. Ok, donc là, pour expliquer pour les gens qui connaissent pas trop Mario 64, ce qui vient de se passer, et ce qui est très malin, c'est que ça nous a mis, en fait, le... En fait, ça c'est le premier Bowser, donc la fin du premier tiers, mais... Avec le ciel du dernier Bowser. Et en plus, quand on est tombé pile à cet endroit-là où il y a ça, qui est aussi dans le dernier monde, j'ai trop cru que c'était le dernier. Alors que absolument pas. Par contre, les pièces rouges, là, c'est léger hein, pour l'instant. Oh, elle est moche, elle.
Ok. Ok. Mais attends, mais elle est imprenable celle-là. Ah si, 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 ça va, ça va, ça va. My bad. My bad là-dessus. Ok. Et la dernière Ouais, c'est ça. Ah, elle va être un... Putain. Ouais, ça va, elle est pas loin. En vrai, ça va... Elle est chiante, mais elle est pas loin. Mais on peut mourir à tout moment. Bon, je vais appuyer sur A. Je vais appuyer sur A, attention. Salang. Oh merde. Quoi? Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Oh le spawn, je m'y attendais tellement pas. C'est trop chiant l'endroit où je suis, frère. Mais comment Mais je suis softlock de fou. Non, en vrai, non, je passe softlock, mais... Mais c'est chiant quand même, là. Attends. En fait, faut réfléchir intelligemment. Et c'est pas mon point fort. Putain, toi, tu fais trop chier. Je peux même pas... Il y avait un cœur par là. Ouais, il y a un cœur là. Mais attends, comment je me sors de là sans déconner? J'ai intérêt à trop bien viser si je fais ça. Ok. Est-ce qu'on va vraiment faire les pièces... Les pièces rouges de ce niveau là, vraie question. Est-ce que c'est pas un peu bourbier quand même? Mais attends, il y avait pas plus de niveaux? Non, peut-être pas. Mais si, il y a carrément plus de niveaux. Ah non, c'est peut-être au-dessus. Mais... Chef, comment je vais récupérer ça là? Oh la pièce rouge de bâtard! Non mais si là il y a des il y a eu des problèmes là. Mec, t'as deux étoiles, t'avais deux étoiles. Mais oui, j'ai vu. J'ai vu, mais en fait, vu qu'on veut jouer à 70 étoiles, on sera amené à revenir dans les niveaux. Pour l'instant, je fais les étoiles un peu chiantes. Comme ça, après, quand on sera à bout, eh ben, on pourra rusher les étoiles toutes simples. En vrai, la strat, elle est bien, non? Pour l'instant, là, on est en full découverte, on parcourt un petit peu les niveaux. De toute façon, j'ai même au vrai Mario 64, vrai hack de Mario 64, j'ai toujours joué comme ça. En mode, au début, tu parcours les niveaux, tu fais éventuellement les 100 pièces, tu fais les raids... Et après, tu fais les autres étoiles. J'ai toujours fait comme ça. Non mais là, il y a des trucs qui ont été modifiés par contre. Hein. Je suis formel. Oh putain, j'ai aucune idée d'où est la dernière raid. Ça fait méga chier. Ah, F. Ok, ça va. Putain. Ah, je la vois. Ça se tente ça, vol première place pour Cuba là? Je pense pas en vrai, mais vas-y. Hein. Waouh, déjà ça part très très mal. Ouais, si, ça va.
Ok. Il y en avait quand même pas mal de gentiment groupés. Ouais, en vrai, c'est correct. Hein. On peut régler un peu la difficulté de ce genre de truc aussi, je crois. Et moi, elle est sur médium. Attends, faut faire gaffe, il y a du vide en dessous là encore, non? Bon. Je vais pas faire les 100 gold par contre de celle-là, je pense. Les 100 gold de celle-là, de mémoire, c'est un bourbier. Elle était où? Elle était par là, hein. Elle était là. Oh, F. Oh, l'aller-retour. Ouais. Alors, si je viens de farmer les 8 pièces rouges pour pas avoir l'étoile, ça fait chier quand même. Si je tombe sur une autre étoile à la con. Je dois monter là? Chef? Elles sont où les autres? Oh les bâtards. Bon. Définitivement, je pense qu'on fera pas les 100 pièces du coup. Il y a beaucoup de pièces après par là, mais ouais, pas assez quand même. Après, si je faisais tous les blocs et tout proprement, je pense qu'il y aurait moyen, mais bon. J'ai déjà oublié où était l'étoile exactement. Putain, en plus, je connais pas son numéro. Normalement, elle aura le petit sigle des... Le petit socle des pièces rouges en dessous. Mais bon. Je me demande si c'était pas par là. Putain, elle était pas là du tout. Elle était là-haut. Je peux revenir en arrière, là? En vrai, je pense que oui, hein. Ok. Normalement, on va l'avoir. Normalement, on va l'avoir. Si, si, Gamma Games, il y a des gens que, dans la communauté FR qui l'ont déjà terminé, ce challenge. En vrai, il est pas si dur. Vas-y, on va là-dedans. À chaque fois, je retourne dans le niveau duquel je sors. Je trouve ça un peu... Je trouve ça pas mal. Oh, la musique. Il y a moyen que ce soit assez rapide, ça, en vrai. S'ils en ont mis là-haut, c'est vraiment des chiens. Déjà, l'étoile est là, en tout cas. Oh putain, je vais aller voir, hein. C'est bâtard. En vrai, c'est bâtard. Mais je pense qu'il n'y en aura pas là-haut. En vrai, je pense que j'ai fait ça, tout ça pour rien. Ça spawn plus haut ou c'est genre on spawn là au début dans le jeu? Je me souviens plus. Le spawn dans le jeu original, c'est là. Hein. Ah non, spawn peut-être au-dessus. F. Ouais, bah il y en avait pas. Putain, on va devoir aller faire tout ce trajet horrible pour deux pièces rouges là. Je veux la vie. J'ai pas eu. Elles sont où les raids, frère? Alors, il y en a une là. Je la vois à moitié. Putain. Elle est vraiment un endroit de gros bâtard. Attends, comment j'attrape ça en vrai?
Oh non, la cinématique. Oh, la cinématique qui va tellement me baiser. Mais c'est pas du tout conçu pour être fait dans ce sens-là. Ça, c'est ça le problème aussi. Ok. Ah, il y en a encore. Peut-être moyen de l'escape, mais il faut faire attention si je veux l'escape. Ouais, je vais me prendre un petit dégât, mais c'est pas grave. Ok, on fait gaffe à pas tomber dans le vide de manière débile. Ok. Je spam. C'était au milieu. Oui. Bref. 9e étoile. Oh non. Est-ce que j'ai le droit de retourner là-dedans, du coup? Je suis pas sûr, hein. Non, j'ai pas le droit de retourner là-dedans. Il faudra se rappeler qu'il y a ce niveau-là où on sait pas ce qu'il cache pour l'instant. On va devoir refaire tout le trajet en mode normal. Ah, le ciel, il fait flipper, hein. Vas-y, hein, ici. Oh putain. Au secours. Ah. Non, pourquoi c'est cette musique? Non mais cette musique-là, elle tombe trop, frère, c'est grave. Je suis désolé, je vais pas rester. Hein. Je crois que je vais pas rester. Hein. Allô. Ah là, ça a laissé la musique de base, c'est marrant. Donc il n'y a pas de challenge là, enfin il n'y a pas de truc qui est modifié là. C'est vraiment identique à l'original. Ouais. Ah putain. Ah les bâtards. Ah les bâtards. En plus je peux avoir raté une rouge à tout moment, mais non mais de toute façon on va pas jouer les rouges là. On va pas jouer les rouges en vrai. Et attends, il n'y a qu'une seule manière de remonter en fait, c'est de passer par... Ah oui là il y avait une rouge, bon c'est pas grave. Ah, identique, ouais. Identique de fou, là. Salut, Ambre Rainbow. Donc là, il n'y a pas de Monsieur Noneuil. Bah non, il n'y a plus de Monsieur Noneuil. Ah, putain, il est juste... Mais c'est le géant? Attends, c'est le géant? Je crois bien que c'est le géant. Ça fait trop bizarre avec le ciel normal. Merci, Roussette, pour les 3 ans. Merci beaucoup. Merci infiniment. Toujours un plaisir de suivre tes lives et de regarder tes vidéos. Encore un grand merci pour ce que tu nous offres. Je continuerai à te soutenir. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est très gentil. Je pense qu'on va faire vite fait les... Bon, mon étoile est là. On va faire vite fait peut-être les 100 pièces. Hein. De mémoire, elles sont pas trop dures à farmer dans ce niveau. La musique, j'en peux plus, frère. J'en peux plus de la musique. Partez pas, hein, on va bientôt changer de musique, bien sûr. En fait, il y a littéralement 3 Big Boo sur la map dans le jeu original, ça veut dire. Eh, hey, mais avec tout ce qu'il y a à l'extérieur, l'intérieur doit être vide de fou, non? Il y a toujours les bouquins qui nous harcèlent et tout, hein.
Ah bah au moins quand on prend la casquette, on a la musique du château, c'est reposant. Ah, il y a un œil ici. Oh, le piano. Oh, mais je peux pas attaquer le nonneuil avec le piano. Putain. Vas-y, je bouge là. Le piano, c'est trop. C'est ma limite. On va encore trouver quelques gold quand même. Full piano dans la maison. Oh, l'angoisse. Ouais. Il doit y avoir des trous là pour passer, mais ça doit être chiant. En vrai, je vais sûrement faire le tour. Ah non, là. Ouais, non, ça. Je sais pas comment on passe ici. Peut-être en faisant genre. Ouais, non, j'y arrive pas. On va passer par le haut. Je sais plus si l'escalier était déjà déployé, mais de toute façon, je m'en fous. Oui, il est déjà déployé. Il y a une pièce rouge là-haut. Train, on doit pas être loin niveau pièce rouge, hein. Ah, on est à 5. C'est pas ouf. Ah, F, on aurait pu avoir. On aurait pu avoir les 100 pièces là. Bonjour. Il ne manque plus qu'une gold. On va essayer de trouver ça, hein. Allez, une petite gold. Là-dedans, il y a des gold. Okay. Merci Xeros pour le 56e mois, merci beaucoup. Je crois que j'ai la flemme pour les rouges en vrai par contre. Non, j'ai trop la flemme pour les rouges. Allez, on va aller choper l'étoile qu'on avait débloquée. De toute façon, on fait pas du 100%. Oh, la musique. Une musique absolument incroyable. Attends. C'est lequel? Hein? What? Comment je rentre dans le niveau? What? C'est lui? Putain, il est où? Ah, lui? Lui, il a l'air bizarre. Ah, c'est lui. Ok, ils l'ont déplacé, c'est marrant. Non, je pense que le 100% c'est chaud en vrai. Oh merde. Allez, merci. Mais là, on va refaire une boucle là. Si on retourne dans... Bon, vas-y, on refait une boucle, en vrai. On refait une petite boucle. Ah bah non, ça... non, ça pour le... Ah si, 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 si. Si, 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 en fait. Je viens de capter. On n'a jamais battu Bowser, ici. Après, en fait, le jeu, il nous TP tellement partout que c'est pas vraiment obligatoire, mais c'est quand même mieux, quoi. Bon, par contre, le triple saut qui se lance pas... Oh, l'ambiance. Oh, l'ambiance. Avec cette musique là. Ok. Bowser qui prend ses meilleures vacances au ski, exactement. Quoi, on était déjà allé là? Ah bah oui. Oh, le spawn, il change à chaque fois en fait. Oh, il m'a vraiment fait spawn juste à côté du vide, c'est une dinguerie. Ah, je me demande si c'est pas là où j'ai plus rien à faire.
Ok. On est allé partout là. Ah non, attendez, on n'est pas allé là en fait. Attends, tu veux me donner une étoile toi? Non. Bon, casse-toi. Ici, je sais plus si on l'a fait. Je suis pas sûr, mais si, en vrai, peut-être qu'on l'a fait. Ah oui, on l'a fait. Et on a tout ici, hein. Et ici, on a tout. Attendez, juste faire un truc. Juste voir ce qui se passe, quand même. Ok, d'accord. Ah merde, putain, du coup, on est de retour ici. Non. Non. Non, chef. Cette étoile, on l'a déjà. Non, on va aller choper celle là-bas, en vrai. Ok. Et attends, et là, ça menait où? Ah, je sais plus, mais vas-y, on change un peu. Il doit y avoir un Todd qui nous régale avec une étoile, normalement, dans... Ah bah, tiens. C'est lui qui nous régale, non? Ok. J'imagine que le Star Display sert à rien. Bah, mon Star Display est ouvert, il est complètement vide. Donc pour les gens qui se demandent ce que c'est le Star Display... C'est un petit outil qu'on a quand on lance sur PC un Mario 64. Oh putain, je suis bloqué ici. Quand on lance un Mario 64 sur PC, on a un petit... On a un petit outil... ...de retourner dans le passé pour peser sur le futur. Pour voir quelles étoiles on a pris, quelles étoiles on n'a pas pris, mais là, il fonctionne pas, du coup. Ça, je crois qu'on est déjà allé. Hein. Merci, Brian, pour ton 15e mois. Merci beaucoup. Merci infiniment. On y est déjà allé, là. Ouais. Bon, vas-y, c'est pas grave, on est où? Ah, mais le ciel, il change à chaque fois, en fait. Ok. Ah. Bon, de toute façon, il n'y a rien ici. De toute évidence, il y a R. Ouais, non, il y a R. Mais tout change à chaque fois, du coup? Est-ce qu'on fait les 100... Est-ce qu'on fait les 100 ou pas? Non, les 100, on les a déjà faites ici, en fait, je viens de capter. Donc il faudrait faire les raids, mais je crois que les raids changent à chaque fois, on va voir. On va se rappeler d'un endroit... Non, peut-être que tout est pareil. Non, je crois que les raids sont au même endroit, mais vraiment la flemme en vrai. J'en peux plus de cette musique en fait. Cette musique me donne trop envie de me... Bref. Ok, ça va. Cette musique, je peux pas. Donc attends, quand on avait pris... Il a encore changé de place? C'est lui, non? Non, c'est pas lui. C'est lui. Je sais plus ce que c'était ça. Oh, merde. Ok. Rappel, ne plus aller dans la cage du bout. Je me suis encore fait scam. Y'a pas une petite étoile à nous propale par là? Oh y'a R, frère, y'a rien. Y'a rien, le jeu il veut rien nous donner. J'imagine que ça sert à rien d'aller voir là-haut, y'aura pas d'étoile. Bah non. Bah forcément. Vous êtes où les étoiles? Y'a rien, c'est affligeant comment y'a rien. C'est grave. Je vais tellement pas choper les pièces rouges de cette map, je vous le dis direct.
Ah, il y en a plein là. Ok. Donc. Ouais, mais là, je suis soft. Putain, mais je suis bloqué en fait là. Là, je suis obligé d'aller là. Quoi qu'il arrive. C'est impossible ? Mais c'est impossible ? Et je peux pas récupérer les étoiles, les pièces là ? Je vais tellement prendre une tour ou des murs invisibles. Elle est beaucoup trop haute celle-là. Il fallait la prendre dès le début. Il y en a une plus à droite là que j'ai raté, non ? Ouais, il y en a une très haute. F. Dis-moi que tu nous as mis le lock par là, ok. Mais tu peux pas aller chercher... Je pense que tu peux pas aller chercher les autres rouges. Ah, le truc de bâtard, bon vas-y. Ok. Putain, si la pièce là c'est un scam. Non, c'est pas un scam. Je veux mes pièces. Elle est où la dernière ? Voilà. Ah, je sens que les rouges ça va être chaud aussi. Il y a pas grand chose ici. Hein. Non mais c'est une blague ce bloc là. Bah je m'en bats les couilles frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, on va aller dans l'igloo, ce sera fait. On va voir ce qu'il y a de beau là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un peu envie de prendre l'étoile, hein, en vrai. Allez. Non, non, non. Ok, ça va. On peut retenter les... Ah bah non, flemme. Je refais le circuit une fois. En vrai, les raids ont l'air un peu toutes au même endroit. Hein. Mais ça sent le truc où il y en aura juste une qui sera un endroit random en fait. Aïe. Bon, tous les bonhommes de neige aussi, ils sont au même endroit visiblement. Ok.
À voir, je pense les 100 pièces sont jouables en vrai. Pour vivre sereinement. Merci à Julie pour ton... Merde, ah oui d'accord, ils respawnent à l'infini les bonhommes de neige, ok. Hello, merci pour le 29e mois. Je pense qu'il est jouable hein, ce niveau. Non, celui-là il va nous faire chier par contre pour le kill, celui-là ça me paraît compliqué en vrai. Ouais c'est impossible. Ça doit être possible mais c'est trop chiant. Non, 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 j'ai commencé à farmer des pièces, non? Ok. Bref. Le geste précis, efficace, répété. Merci Zaki pour ton 3e mois. Seul angle et pièce. Non, je veux pas perdre ma casquette. On peut perdre sa casquette? Non, peut-être pas à cet endroit-là. Et merci Iboul, merci, merci à vous pour votre soutien. Merci, c'est très gentil. Merci toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci infiniment. Je pense vraiment que ça peut jouer, hein, en vrai. Les petites pièces, là. Putain, celle-là d'étoile, en vrai, est un peu vénère, je pense. Mais pas infaisable pour autant. Comment tu le fumes, lui, déjà? Ah, il donne que 5 gold. Dans mon... Je pensais qu'il donnait plus. En vrai, ça fera l'affaire, hein, mais bon. Solang ? Ouais, j'ai perdu 2 pièces. C'est pas grave. Donc ça nous monte à 62, 63, 65. Du chou farci. Par contre, merci pour le chou farci, Mr. Alex. Par contre, je sais pas comment je passe, là. Comment je monte, en fait ? Parce que je crois bien que la 8ème rouge, elle était en haut. Probablement... Non, en vrai, je sais pas. En faisant un truc comme ça, genre. Ouais. Non, la dernière... La rouge, elle était là-bas. Ok. Minutieux, précautionneux. Merci, Trudy, pour le Prime. Opiniâtre. Oui. J'ai pas compris où elle était. Merci, bienvenue dans ton 2e mois, merci beaucoup. Il faut aller dans l'igloo pour aller choper des pièces en plus. Ce sera le plus simple. Juste faire gaffe à pas choper une étoile sans faire exprès, quoi. Ok. Chou farci du train de l'hype. Merci beaucoup, Mr. Alex, pour ta générosité. On peut pas être softlock là-dedans, si? Non, je crois que normalement, ça doit être bien fait. Ils ont pas mis des softlocks à la con, quand même. Ça, je vais le péter doucement. Au cas où il y a une étoile dedans. Non, c'est bon. Tac, je prends les 5 pièces qui sont là et on est bon. En vrai, je pense qu'il y a grave moyen d'être softlock quand même. Cela devient insupportable. Merci Sophie pour les 100 bits. Train de life, me voici, merci beaucoup. On va quand même parler au frérot ou pas? Ah, y'a pas l'animation? Ok.
Ok, t'es où là? Je savais pas que c'était comme ça dans le jeu original, ça. Pour moi, elle était par là, l'étoile. Mais peut-être je me suis complètement gouré. Ah, elle est là. Ok. Donc, dans ce niveau-là, il nous reste un truc à faire, en fait. Parce qu'on a eu l'étoile de la vitesse, très bien. Mais sauf que la deuxième étoile... Elle va être un endroit full random, c'est sûr, dans une boîte, un endroit absolument dégueulasse. Je la vois pas pour l'instant, ça m'inquiète un peu. Ok, ça va, franchement, ça va. Franchement, ça va. Franchement, ok. Où c'est qu'on peut aller maintenant? Déjà, on peut ouvrir cette porte. On pouvait pas ouvrir avant. Voilà. Tu vas pas me donner d'étoiles, toi. Je vais être dégoûté. Une étoile ou casse-toi. Chien. Ok. Alors c'est bon que ce niveau devait tomber, hein. La bonne question, ah mais du coup par défaut c'est stop ou c'est random? Merci Elia Katz pour ton 7ème mois, merci beaucoup. Par contre... Déplacement restreint de la cam, c'est insupportable. Cette musique là tombe beaucoup quand même, hein. Je suis en train de farmer les pièces rouges, alors est-ce que on va réellement en faire quelque chose? Je ne pense pas. Hein. Bon, j'arrive pas à faire ça. Voilà. Tout ça pour ça, bien sûr. Non mais je vais me mettre en caméra Mario dézoomé. Ce sera plus simple. Ok, j'ai un peu fait le show là-dessus, je vais pas mentir. Donc là, on doit redescendre, on est obligé. Ouais, cette musique-là, pour le coup, elle est vraiment stylée. C'est une de mes musiques préférées de l'univers Mario, en vrai. T'as une étoile, toi ? Décevant. Ok. En vrai, ça pourrait valoir le coup de faire les rouges maintenant qu'on est bien lancé. Bon, les jaunes, peut-être pas. Aïe, ça peut faire mal ce genre de truc, faut faire attention. Ok. Je prends quand même un, hein, au cas où, on sait jamais. Ok, donc il y a une rouge plus bas là. Ça peut être une étoile, ça. Non. Là, il y a une étoile. Là, il y a des pièces. J'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas vu beaucoup de pièces par rapport au... Oh. Il y a beaucoup de pièces qui étaient à ce endroit-là. Par contre, ce truc-là m'emmerde de fou. Ah, il a une range de bâtard. Il a le droit d'aller où il veut. Il
L'étoile super haut, c'est pour me... Non, c'est pas possible. Putain, en plus là... C'est chier. Bon, vas-y, je descends. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit. C'est contraire aux règles de la physique. Ah, si c'est une étoile, ça me saoule. Non, c'est des pièces. Bon bah, je redescends pour farmer les 100 gold, hein, tant qu'à faire. Plus qu'une. Voilà. Ok, il y a beaucoup d'étoiles en bas. Non, par contre, je sais pas à quel numéro correspond l'étoile des pièces. Oubliez ce que je viens de dire. Oubliez complètement ce que je viens de dire, bien sûr. Ok. Pourquoi fallait que ce soit cette musique? Putain, j'en peux plus. Cette musique, elle tombe tout le temps, frère. Elle tombe tout le temps. On a eu combien de fois la musique de... La musique des mondes de l'eau? Zéro. C'est quoi ce niveau déjà? Je crois que c'est un niveau de merde. Oh merde. Oh non, la musique! Au revoir. Il est relié à quoi l'aquarium du niveau de l'eau? À l'aquarium du niveau de l'eau. Il a pas bougé, je sais pas pourquoi. Toi, t'as pas d'étoiles à nous donner, toi, hein. Casse-toi. Tu nous dégoûtes. Il y a peut-être un petit lapinou. Un petit lapinou à choper là. Je sais pas où il... Ouais. Salut Général Mas, merci. Ok, 26. Donc attends, ça peut être quoi ce niveau? Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est fou, c'est ce que j'allais dire pour de vrai. Vraiment, c'est littéralement, j'allais dire, ça pourrait être le niveau 9. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'a pas encore eu ni le 7, ni le 8. Donc le... Et ni le 13. Ah, il en manque plein. À mon avis, il y en a un qui est dans le... Justement, qu'on va débloquer bientôt, là, avec le truc de... Truc de Bowser, là. On ne pouvait pas débloquer avant. Sous-marin de Bowser. Pour le reste, je sais pas trop, en vrai. Oh, le requin. Putain, mais ça veut dire pour le sous-marin de Bowser, faut ramasser l'étoile qui porte le numéro 1. Spécifiquement. Et oui, c'est bien, c'est la bonne musique. J'avais même pas capté, mais c'est la bonne musique, ça fait plaisir. Par contre, 23 gold, je sais pas ce qui se passe, mais... Ah, va falloir que je fasse un choix entre les raids et l'étoile numéro 1, du coup. Ou alors, je prends aucune des deux et je prends l'étoile numéro 1 direct. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire les 100 gold de cette merde? J'étais curieux d'aller dans le trou là, mais je pense qu'en vrai ça va rien se passer, on va juste sortir du niveau normal. Et du coup ça va être très décevant.
Elle est où la pièce? Chef? Bon bah... So long, hein? So long de fou. Ah ouais, non, d'accord, ok. Ok. Donc attends. Ah ça, on y était déjà allé, je crois. Hein. Je sais plus où ça nous menait, mais je crois que c'était pas bien. Ah oui. Bon. Je vais prendre une étoile random en vrai, non? Ou alors on fait les rouges. J'ai déjà oublié où elles étaient toutes les rouges. Ça, ça va me faire péter un câble de tenter toutes les raids, je pense. J'aime pas la caméra de ce niveau, je sais pas pourquoi elle est un peu buggée. Vas-y, on va prendre ça. Hop. Ouais, je fais pas le 100% Mister Alex, heureusement. On a vraiment le rôle sur les musiques, en vrai, c'est une dinguerie. Pourquoi je prends ça? J'en sais rien. Bah ça nous change la musique. Hein. Cela dit. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. J'ai vu ce que j'ai vu ou... Ah ouais. Ah vas-y, on le fera plus tard, on le fera plus tard. Elle, on l'a déjà faite. Mais il va vouloir se taper du coup. On peut lui dire non? Et si je sors de sa range, ça va le saouler, non? Ok. Ouais, pour l'instant, la musique continue. Hein. Là, y a rien ici. Ah putain, y a une rouge ici. On va aller la prendre. Hein. Ouais, on en est à 7 en vrai, on a bien fait. Il nous en manque plus qu'une. D'ailleurs, est-ce que je regarderai pas juste si elle est pas là-haut? Non, elle est pas là-haut. Putain, y'a... Par contre, il y a un womp tout seul à cet endroit-là. On peut monter là où c'est risqué, ça. Je le fais jamais, mais... Ah, ça joue, en vrai. C'est pas mal, hein. Faut juste trouver la dernière raid. Mais du coup, il y a et Womp et la tour, c'est marrant. Putain, elle est là. On la joue legit. Oh putain. J'oublie tout le temps que cet ennemi existe dans ce jeu. Chef, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. Vas-y, la caméra dans ce jeu. Please. Non. Non. Ah. Ça, c'est le gros non-œil. Ça, c'est le gros non-œil, celui-là. Oh, putain, il est trop... De toute façon, son étoile, elle va spawn à un endroit trop chiant, c'est sûr. Oh. En vrai, ça va. Ça a l'air d'être juste à l'opposé, mais dehors. C'est elle, hein?
Je crois que c'était elle. Bon, rappel, ne pas aller... Faut pas aller dans le... dans la cage. Du coup, on va retourner dans le niveau 9. Je sais plus lequel c'était, je crois que c'était la fatale. Je crois que c'était la fatale... truc avec le sous-marin. Ouais, vas-y, en vrai, j'ai envie de faire des petits anneaux, là. Ça me hype bien, là, les petits anneaux. En vrai, toutes les étoiles dans ce niveau sont assez simples. Donc, faut en profiter. Mais je crois que ça débloquera pas la partie qui nous intéresse. Tant qu'on n'aura pas la une. Vous voyez, là, derrière ? Ça reste... ça reste comme ça. Ouais, là, il y avait des étoiles simples à choper. Il me semble. Ah, bon, on peut faire celle des coffres, qui est un peu chiante, en vrai. Comme ça, elle sera faite. Donc ça, c'est le 1. Le 2, de mémoire, il était tout seul. Très loin. C'est plus le 3 qui va me faire chier. J'ai pas d'idée où il est, le 3, en vrai. Putain, il peut être où le 3? Je sais pas du tout en vrai. Je le vois vraiment pas. Y'a que 105 pièces dans le niveau 9, Mister Alex, c'est vrai? Aïe. C'est pas dans le niveau 3 qu'il y a que 105 pièces? Justement? Les deux niveaux aquatiques sont très pauvres en pièces. Ok, je ne savais pas pour le... J'avoue que je savais pas pour le 9. Je m'en souvenais pour le 3, mais le 9, j'avais aucun souvenir. J'en peux plus de cette musique, frère. Juste là, le 3. Let's gong. C'est où ça? Chef, c'est où ce qu'on vient de voir? C'est dans le bateau, vous croyez? J'ai aucune idée d'où c'est. Ouais, je vais aller dans la grotte, hein, mais... Je suis pas sûr, en vrai, hein. C'était pas la 6, c'est sûr. C'était peut-être la 3. Non, ça me dit rien. Non, c'était pas la 3 hein, qu'on cherche, nous. C'est pas la 3, l'étoile des coffres, on est d'accord, si? C'est la 3? Pour moi, c'est la 2, l'étoile des coffres, et je la vois pas là-dedans. Je pense vraiment qu'elle est dans le bateau, en vrai.
Si, c'est la 3, vous pensez? Bon, vas-y, je vais chercher la 3. Moi, j'aurais dit que l'étoile des coffres, c'était la 2, mais je peux me tromper. La 2, c'est peut-être celle dans le bateau, justement. C'est bien elle? Parfait. Alors, let's gong. Je me souviens pas ce qu'il y avait dans ce niveau-là, par contre. Ah, ouais. Ah, merde. Bon. Ah, je vais aller faire une lave fatale, en vrai. On n'a qu'à 31 étoiles, il nous en faut 70, OMG. Il nous en faut 70, on est à 31. Au secours. Alors. Allez, on va aller choper la une cette fois. Je vais pas farmer les pièces. En vrai, il y a combien d'étoiles si tu fais aucune étoile des pièces rouges et aucune étoile des... Eh bah 90, du coup. Non, un peu moins. 84. Si tu fais aucune étoile des pièces rouges et aucune étoile des 100 pièces, il reste 84 étoiles, si je dis pas de bêtises. Ça fait quand même beaucoup, mine de rien. Enfin, ça fait pas beaucoup de marge. Les speedruns sur ce hack doivent être fous, en vrai. Bah j'avoue, si ça génère une... Si tu choisis une seed au pif... Mais je pense que c'est compliqué parce que les gens peuvent apprendre toutes les seeds, après ça sert à rien, je sais pas, ils peuvent relobby jusqu'à avoir la seed qu'ils veulent, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment ça marche, vas-y je prends la une. Allez. Putain, quoique toutes les rouges ont l'air proches, mais j'ai l'impression qu'il y a une rouge, j'arriverai pas à la voir tant qu'il y a le... Tant que le trou il est pas bouché. Elle est où la rouge qui nous emmerdait tout à l'heure là, mais... J'ai l'impression que je m'étais fait 3 dettes de fou. Genre... Putain, elle est là, je pense qu'elle est pas... Elle est prenable en vrai, je pense. Sans trop s'approcher du trou. Ouais, carrément. Ah, ça nous aspire bien quand même. Hein. Il y en a deux là-bas. Ouais, je fais les rouges parce que vraiment j'essaye d'éliminer les plus chiantes un peu. Pour qu'ensuite on peut arriver jusqu'au 70 assez rapidement. Donc 6, 7 et il nous en manque une. Par contre la dernière j'ai aucune idée d'où elle est en vrai. Ça se trouve elle était dans le... Dans la première partie du niveau. Et là il n'y a pas le bateau en plus. Merde. Bah si, il devrait y avoir le bateau en fait. Mais attends. Il n'y a pas le bateau, elle est là-haut. Et comment je fais pour monter s'il n'y a pas le bateau, c'est possible? Ouais. Rien capté. Vas-y, je vais passer par là, c'est mieux. C'est plus safe, je pense. Ah, dommage ça. J'espère l'étoile elle va pas spawn genre dans la première partie du niveau, j'ai trop la flemme. Non ça va. Ok la 3. Ah, la 3. Attends, il n'y avait pas une étoile là avant? Ah, peut-être là-dedans? Ouais. Ok. On faudrait commencer à retenir qu'est-ce qui mène à quoi, parce que ça, je crois que ça mène à rien. Voilà, typiquement. Ça, on s'en fout. Allez, je vais encore retourner au même endroit, désolé. Je farm le niveau 9, comme ça il est fait.
Faudra voir ce qu'il y a dans à la place du 8. Ah, il manque le 11 et 12 aussi, on a toujours pas. Hein. 11 et 12, on a toujours pas aussi. Ah, en vrai, je vais faire les coffres. Comme ça, on les aura vraiment toutes. Sauf l'étoile des 100 gold. Des 100 gold. Où ça, j'ai complètement la flemme, j'avoue. Attention le tourbillon quand même. Attention le requin également. Putain, le tourbillon, il est tellement puissant en vrai. Ok, ça va, elle est à côté, c'est cool. Tac. Donc là, c'est le 3. On peut y aller, il y en a encore à choper dans le 3. On peut faire celle où faut virer l'anguille en vrai. Depuis le temps. Vas-y, go, celle où faut virer l'anguille. Je sais plus s'il y a une strat particulière pour virer l'anguille. Moi j'ai souvenir de genre, pour virer l'anguille, j'appelle ça l'anguille parce que la VF, dans la VF ils ont toujours dit l'anguille. Non, c'est pas du tout une anguille évidemment. Mais du coup pour moi c'est une anguille et c'est comme ça maintenant c'est trop tard. Hein. Je suis matrixé par Mario 64. Donc vous allez vers l'anguille et ensuite vous vous barrez dans la grotte et vous revenez et l'anguille elle est sortie. Pour moi c'est ça. Mais en fait, c'est, je crois que c'est une histoire d'hitbox trop bizarre ou quoi, je sais plus comment ça fonctionne. C'est marrant, le niveau conserve son brouillard malgré le fait que tu sois déjà allé. C'est pas parce que j'ai pas chopé la première étoile, Mr. Alex, que ça fait ça. Voilà, l'anguille est sortie. Oh la musique! Mais c'est ça qu'on veut à la place des musiques insupportables? Ah. C'est très con ça. C'est ça qu'on veut comme musique nous, tout le temps. Dodo dans le bateau. Bah oui. Bon du coup, a priori, l'étoile est là, hein. Pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Wow. Je crois que c'est impossible de rentrer dans le bateau sans retirer l'anguille. Ah ouais. Ah ouais. Un élément de plus pour obtenir des avancées concrètes. Merci Eulali pour le 46e mois, merci beaucoup. Hey, il y a un truc très con que j'ai pas testé en fait, je viens de capter. Il était là le 13. Oh la musique. Oh non, au secours. Oh la musique de l'angoisse là. Non, par contre, la cam, c'est pas cool, en vrai. C'est quoi les... Oh, les c'est les secrets, ça? Ok. On peut faire les secrets, en vrai. Pourquoi pas. Attends, ça va être super chiant de monter sans se péter la gueule, là. Ah, s'il y a un secret sur l'île... Non, c'est bon. Ok, ça va, les secrets, ils sont hyper paquets. Il y en a deux, là, je pense. Ouais. Et le dernier... Il est là-bas, ok.
Mais... Allô ? Mais ça glisse ici, non ? C'est injouable. Ah les bâtards ! Ah les bâtards ! Je connais pas ce niveau, désolé. Sûrement un bug. Non ! Ok, je vois pas la poiscaille pour l'instant. C'est possible ça de faire ce que je veux faire ou pas ? Je sais pas. Ah, je pense qu'il y a pas assez de hauteur en vrai. Ah si. Mais attends, tu veux faire la course où toi ? Je sais même pas où c'est que tu veux faire la course, frérot. Je vais pas faire la course avec toi. Ah, genre c'est la même. Il est où le drapeau ? Je sais pas où c'est que tu veux faire la course. Pourquoi je ferais la course avec toi ? Je sais pas où faut aller. Ouais, y'a rien. Oh, il y a des plein de piranhas partout. Ouais, ok, la course, elle change pas de trage. Ok. Ok. Ouais, je vais pas faire les 100 pièces de celle-là, hein, vraiment pas. Y'a rien d'autre... Y'a rien ici ? Ok. Vas-y, mais trouver toutes les plantes piranhas, ça va être chaud en vrai. Après, ils ont mis des petits trucs pour qu'on les détecte mieux, mais... Ah putain, il y en avait une au spawn. Mais oui, mais on n'a pas spawn au spawn en fait, c'est pour ça que c'est... Je vois pas la poiscaille, ça m'énerve. J'aime pas quand je vois pas la poiscaille. En vrai, j'aurais dû TP avec les petits tuyaux, hein. Imagine le poisson nage en dehors de l'eau et te pourchasse. Non mais arrêtez, ma hantise ça. Oh, je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu, c'est juste qu'il avait pas assez de... Il était trop loin pour apparaître. Ah putain, il est là. En vrai, il est à peu près à son endroit normal, j'ai l'impression. Il y en a deux de base, je crois. Là, il n'y a pas du vent ou un vieux scam à la con. Ouais. C'est de la merde cette mécanique hein, quand même. Le nombre de fois où je suis tombé dans le vide parce que ce passage-là, il est géré avec, avec le cul. Mais non, c'est pas possible. Ils sont où les autres... Elles sont où les autres plantes piranhas, là ? Les Goombas totalement insensibles aux boulasses. Mais attends, mais c'est une dinguerie qu'il m'en manque deux. Merde. Ils doivent être sur leur spawn de base en vrai. Parce que là, j'en vois pas. Ah, il y a là-bas aussi éventuellement. Ouais, je crois que les poiscailles. Peut-être que l'homme de la semaine, en fait, ou la femme, c'est vous. Et oui. Merci, studio. Studio Panda, merci beaucoup. Merde. Quoi ? Je vais crever.
Ah oui, c'est vrai que ce côté-là, on est sur ces musiques-là. On essaye de pas se viander cette fois. Chef. Ok. Vraiment pas comment faire en vrai pour trouver les autres plantes piranha en fait. Ouais, ah, ouais, si j'ai une petite idée. Ah, ou alors elles sont sur l'île géante. J'ai pas pensé à l'île géante, mais je sais pas comment on fait pour y aller. Il y a un truc pour il y a une île là. Si la cam me laisse Y'a pas une île. Mais j'ai vraiment des distances d'affichage catastrophiques, non? Non mais si, y'a une île là-bas. Je sais pas, il me l'affiche pas. Bon, peut-être pas en fait. Chez Wiggler, ça m'étonnerait en vrai. J'y ai pensé, mais je pense pas qu'il les aurait mis chez Wiggler, les... Je pense pas. Moi, je les verrais bien là, là. Par là. Pas se gourer, là. C'était ça. C'est complètement ça. Putain, et la dernière est là. Ah, c'est du vide à côté, ok. Ok, 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 dommage. Non, le poisson, casse-toi. Putain, je suis à la merci du poisson. Mon pire cauchemar. Ok, on peut pas monter comme ça. Mais attends, y a pas... Ok. Il y a sûrement moyen de monter en faisant ça. Faut juste que j'arrive à rebondir, sauf si c'est pas possible, mais... Non, si, ça doit être faisable. Faut que je les prenne d'un peu plus loin. Voilà. Alors. Du coup. Ah, du coup, je crois bien que c'était là, hein. Elle va être où l'étoile? C'est ça ma grande question. Allez au spawn. Faut pas se faire bouffer par la poiscaille. Et en vrai c'est pas mal. Y'a de la poiscaille là? Non frère, pas maintenant. Ok. Donc... Là? Attends, c'est bien elle qu'on veut? C'est la une, hein? Oui, c'est la une. Ok, c'est bon. J'espère intérieurement que tu te feras surprendre par le poisson, mais t'es complètement malveillante, Roussette, c'est très grave. Pour la peine, je me sers un petit thé glacé. Donc on en est à 36, on a plus de la moitié, ça y est. Et ça, c'était le niveau combien on a dit? En vrai... Ça peut être moins dur que ça en a l'air, vu que les pièces sont plus au même endroit, mais bon. Allez. Merci, hein. On peut le tenter.
Mais ouais, du coup, j'avais mal calculé quand je vous ai dit le nombre d'étoiles. Si on enlève les pièces rouges et les pièces... et les 100 pièces. Donc ça veut dire que ça fait 90, 84, 82 en fait. Il n'y en a que 82. Qui ne sont pas des collectes de pièces. Et je pense que si on enlève les collectes de secrets en plus, je sais pas à combien on tombe. Mais on doit bien tomber bien bas. Bah par contre, attends, il me faut un bloc comme ça là. Je vais aller en chercher un. On va quand même parler au frérot au cas où. J'avoue que j'étais avec Roussette là-dessus, mais vous avez déjà vu à quel point le poisson de Mario 64 me terrorise. C'est un des trucs qui me fait Enfin, c'est un des trucs qui me fait le plus peur au monde, genre. Dis-moi pas qu'il y a un mur invisible. Ok, ça va. J'ai mal compté. Ah putain, là. On va la jouer safe. Oh putain. Oh les problèmes. Ok. C'est hyper dangereux. Je pourrais pas remonter assez haut théoriquement. On peut quand même essayer, mais... Ouais, je sais même pas où elle est. Ah, elle est là. Allez, merci. On va essayer de pas se faire baiser bêtement. Merde, c'était où? Bon, je sais plus. Vas-y. Là? Joie R. Elle est où, mon étoile? Putain! Oh, elle est là. Bon, bah voilà! On aura fait l'étoile de ce niveau. Ah, bon, on n'était jamais allé là? Bah non, on était tombé. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire dans ce niveau? On a envie de farmer les 100 gold et les raids. Non mais déjà, lui, s'il vient là, c'est pas possible en fait. Donc toi, viens là. Ah oui, c'est ça, ok. Bah, la rouge là-bas, elle est vraiment dangereuse en vrai. La rouge est très dangereuse, putain, mais comment je vais choper ça? En fait, il faudrait la carapace, mais sauf que la carapace, on sait absolument pas où elle est. Non mais... Ok. Géré d'une main de maître. Tout ça pour mourir dans 2 minutes. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Ah mais putain, je suis trop con pour les... Pour les 100 gold, faut aller dans la pyramide, mais... Oh le bourbier ça. Mais est-ce qu'on peut ressortir de la pyramide dans ce jeu? Putain, j'ai un gros doute. En vrai, je pense que oui. Je dirais que oui, hein. Voilà. Alors, aller sur cette zone là-bas, ça peut être le gros bourbier aussi. Normalement, non. Ah ouais, on peut pas sortir de la pyramide dans le jeu. Bon, de toute façon, je vais me faire... Ah, ok.
Comment ça se fait que j'ai fait tout le tour? Ah oui, d'accord, ok. C'est dangereux, ça. Ouais. Il me manque autant de rouge. Une là, ok. Bah, les deux autres doivent être dans des blocs. Wow. Je vis vraiment dans le danger là quand même. Hein. What? Il y a des espèces de murs invisibles chelous là. Oh merde. Ah putain, il y a deux rouges là-bas, ok. On a des casquettes télé intéressantes, mais je pense que ça peut aussi être un peu le bourbier. Ouais, donc non. Mais du coup, ouais, le problème c'est que si on rentre dans la pyramide, on pourra plus ressortir du coup. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les rouges, hein. Ah, l'emplacement du panneau. Débarre. Ok, elle est pas très loin. Faut quand même pas se foirer. C'est bon. Vas-y, on se garde cet endroit-là pour plus tard. Maintenant que t'en parles, j'ai jamais cherché à sortir de la pyramide, la désillusion si c'était possible. Moi, il me semble qu'on peut, hein. Vraiment. J'aurais vraiment dit qu'on pouvait, hein. Ah oui, c'est ce niveau-là où on avait dit que c'est pas possible de choper les 100 pièces. Ok. Impossible de ressortir de la pyramide une fois rentré dedans, my bad. My bad. Mais du coup, c'est un peu nul. Mais c'est vrai que c'est pas hyper surprenant. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le jeu où on peut pas ressortir à part le niveau de la casquette métal qui est un peu à part parce que c'est un niveau à part entière. Donc c'est logique que quand tu rentres dedans, tu puisses pas forcément ressortir. Mais l'igloo, tu peux rentrer sortir. La planque de Wiggler, en bas, tu peux rentrer sortir. En haut, tu peux peut-être pas sortir. La glissade du pingouin, tu peux sortir si t'arrives à faire la glissade. Ah, le bateau pirate, tu peux pas sortir non plus, ouais. Et le volcan, tu peux pas sortir non plus. Putain, j'avoue, en vrai, il y en a pas mal. J'avoue. Bon, pitié, le niveau 12 ici. Le niveau 12 ici, pitié. Si c'est le 13... Si c'est le 11... Si c'est le 11, au secours. Putain, c'est le 11. Niveau de merde. Personne ne l'aime. La musique a pas changé en plus. Je crois que c'est... Ah non, c'est pas cette musique là. Non, c'est pas cette musique là. C'est pas cette musique là de base. Yes. Niveau à chier. Non, en vrai, je sais pas, à ce niveau, il est... C'est pas que je... En vrai, il est pas mauvais, mais... Je sais pas pourquoi, il y a un mood qui me... Je trouve anxiogène de fou, ce niveau, en fait. Même plus que d'autres. Je sais pas dire pourquoi. C'est le côté où t'es dans une espèce de prison, en fait. Il y a des murs partout, enfin, c'est quand même assez bizarre. J'ai du mal à avoir de l'affection pour ce niveau, bien qu'il ait certaines singularités que je ne nie pas. Il a un flow intéressant, mais je sais pas. De toute façon, là, si je veux faire les 100 gold, il va falloir aller dans le... Il va falloir aller dans la zone spé, là. Ah, j'ai raté un bloc ici. J'ai raté un bloc et je sais pas si je vais pouvoir aller le récupérer. F. Je sais même pas comment je fais pour y aller dans la ville là.
Je sais qu'il y a des cuts de zinzin. Enfin, il y a un cut de zinzin potentiellement, mais. Admettons que comme moi, tu ne saches pas le faire. Oh non. Il est tombé, lui, c'est pas vrai. Un gain de temps évident. On peut pas rebondir là-dessus ? Si, on peut, mais c'est trop bas. Oh, avec un triple, ça passe peut-être. Quoique j'aurais tendance à dire que non, parce qu'il est pas utilisé en speedrun, et j'aurais tendance à dire qu'il le serait si on pouvait le faire. Bon, de toute façon, j'arrive à rebondir qu'une fois sur 10, ça me casse les couilles. Ah si, c'est possible. My bad. Ah, le feu, là. En fait, faudrait trouver Bobomb pour que Bobomb nous ouvre le canon et tout ça, quoi. Si je dis pas de conneries. On l'a raté, le Bobomb, ou alors il est sous l'eau? C'est quoi le bail? Ou alors il est là-dedans? Non, il est pas là-dedans. Putain, mais il est où, Bobomb, là? Ça se trouve, il était tout en bas et je l'ai complètement ghost. En vrai, c'est possible de fou, hein. Que j'ai mis un gros vu à Bobomb. Ah, c'est tellement mon genre. Ah merde, il a bougé lui. Attends, lui, si j'arrive à choper ses pièces, c'est bien. Ouais, de toute façon, il peut pas me faire trop mal. Ah putain, il est là. Elles sont mes gold? Ok. Ah, la dernière, j'aurais peut-être pas le temps de l'avoir. Hein. Putain, il y a presque moyen d'avoir les 100 gold sans aller dans la petite ville. Ça m'étonne beaucoup. Mais en vrai, il va en manquer quand même une ou deux, mais... Mais c'est peu, quoi. Il est là, le frérot. Ouais, en espérant que Boom soit pas dans la ville. Non mais le jeu a été intelligemment randomisé de manière à ce que ce genre de situation ne soit pas possible en fait. Et heureusement parce que putain sinon vous imaginez le bourbier. Ouais, ça se trouve il y avait littéralement 100 gold. Hein. Il y a littéralement 100 gold. Ah, 99 peut-être. Peut-être 99 en vrai, parce que j'en ai raté une seule, il me semble. Il me semble que j'en ai raté qu'une. Enfin, s'il y en a encore une quelque part, ça donne quand même envie de faire les secrets, parce que là, regardez. On a tout au niveau des secrets. Donc le secret, c'est la 3. Putain, si je trouvais une gold quelque part. Enfin non, deux du coup. Oui, un vrai 100% random, ça ferait que des softlocks, tout à fait. Tout à fait, c'est réel. Mais j'ai pas regardé cette boîte. Oh, let's go. Oh là 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 là, sans aller dans la ville. Quel kiff. Par contre, il va me balayer, lui. Il est là pour en découdre. Du coup, j'ai plus besoin du canon, je veux l'étoile numéro 3 qui est là. Tac. Voilà. Du coup, il nous reste quoi comme niveau? Il nous reste que le 12. Là, c'est forcément le 12. Là, je vais rentrer dedans, ça va être le 12. Non, il peut pas nous rester que le 12. Mais non, celui-là, on l'a déjà fait. Mais du coup, le 12, c'est le 12. Le 12, c'est le 12. Bon, on verra plus tard. Le frérot. Il y a un petit frérot qui nous doit de l'argent, là. Ah, je sais pas où il est. Ah, c'est trop badant. Il n'y a pas le reflet de Mario. Ah, c'est trop badant. Ah, il est pas là, le Toad.
Ah, par contre, c'est trop badant de pas avoir le reflet de Mario. C'est une dinguerie. Il nous manque le monde de la lave. Ah ouais, il nous manque le monde de la lave. Il est là. Ils sont tous les deux là. Mais le deuxième, il donne rien. Si jamais ils ont laissé à peu près dans les zones, ça veut dire qu'il y a un Toad au dernier étage qui file une étoile. Donc, j'ai besoin de me rappeler ce qu'il y avait ici parce que j'ai oublié. Ah oui. Ah, c'est le monde d'ici, si, ok. Putain, qu'est-ce qu'on avait fait comme étoile? Les rouges, on l'avait fait finalement. Hein. Je crois vraiment que les rouges, on l'a... Ouais, les rouges, on l'a fait, c'est sûr. Donc, on va prendre une petite étoile chill. Est-ce que c'est une étoile, ça? Il me semble que oui. Hein. Oui. En vrai, ça va, on va facilement arriver au 70 parce que, mine de rien, j'ai vraiment fait le plus dur, je pense. Là, dans le mur, je sais pas. Putain, il manque le monde 1 aussi. Le monde 1, on l'a jamais fait? Ah, ça, on a tout. Je viens de capter, mais le monde 1, on y est littéralement jamais allé. Bon, déjà, il doit y en avoir un par là. Merde. J'avais zappé que c'était ça. Mais en vrai, ça va. Du coup, on peut aller dans la ville, à la rigueur. On va faire les étoiles de la ville, c'est les plus chiantes. Il t'en reste 27 et 2 Bowser aussi. Pourquoi 2 Bowser, Mr. Alex? Bowser 2, c'est le... putain, pas Mr. Alex, Roussette, pardon. Roussette, je sais pas si t'étais là depuis le tout début, mais en fait, Bowser 2, c'est littéralement le premier niveau que j'ai fait. Me demande pas pourquoi c'est tombé sur celui-là, j'en sais rien du tout. Mais c'est littéralement le premier. Donc j'aurais tendance à dire d'avoir que j'ai bien fait Bowser 2 et Bowser 1 aussi, je pense. En plus, faire les Bowser, ça sert à rien. En vrai, le speedrun de ce truc-là, je trouve, il peut être grave intéressant. Le problème, je pense, c'est que moi, ça me ferait trop chauffer le cerveau. Je sais pas si on a le... Je sais pas si ça passe ce que je suis en train de faire, là. J'ai un peu envie de le tenter, mais... Oh, j'ai trop le mort! C'était parfait! Il y a une étoile dans les mondes de Bowser. Ouais, et je les ai prises. Je les ai prises. En vrai, sinon, je monte le niveau de l'eau ici. Hein. Ce sera quand même plus simple. Mais je veux refaire ma tech là. Ma tech de fou. Ah, vous avez pas la même couleur de pseudo à Mr. Alex et Roussette? Je croyais que si. J'ai vu du bleu. Mais non, en fait, Mr. Alex, le tien, il est violet. Mais ouais, non. En fait, c'est trop de devoir retenir l'emplacement de chaque niveau et tout le temps. Qui me saoulerait, je pense. Je sais jamais la hauteur qu'il faut, frère. J'ai fait full pif. Ouf, c'est pas passé loin cette affaire. Ouais, du coup, ils ont pas mélangé, j'ai l'impression, les trucs de la ville. Et les trucs du reste de la map. Ok, il y a une raid ici.
En vrai, je pense qu'on va faire les raids. Hein. Ah, si elles sont toutes disposées comme ça, miam miam. Hein. Si elles sont toutes disposées comme ça, c'est miam miam de fou. Ah, il y en a peut-être qui sont dans les bois-boîtes quand même. Ah, il y en a forcément dans les bois-boîtes, non? De toute façon, ce... Je crois que ce niveau, tu peux à peu près escalader partout, même s'il n'y a pas d'eau, hein, ce passage-là. Il faudrait juste trouver le truc qui baisse le niveau, en espérant qu'il soit pas dans une boîte. Et he's ok. Ah, il y avait une raid ici. Ah, je sais pas si elles vont être dans les bois-boîtes ou si dans des recoins. Vas-y, il y a le truc pour baisser le niveau de l'eau, là. On va casser les boîtes, on va voir. Ça, il y a moyen que ce soit à l'étoile, en vrai. Je vais quand même taper, mais il y a moyen que ce soit l'étoile. Non, c'est une vie. Ok. Ça, je sais pas ce que ça fait. Ah, pas de pièces dans les bois-boîtes. Il y a tellement de boîtes. Ok, donc non, ça se passe pas dans les boîtes. Peut-être dans celle-là. Non. Ah, ok. Ah ouais, du coup, il y a une étoile ici. Très bien. Ah, F. Ok. Ce sera jamais dans cette boîte, c'est sûr. Celle-là me paraît un meilleur candidat, mais non plus. Ah, elle est là, tout simplement. Bah parfait. Et bah voilà, 44. Putain, j'ai encore oublié ce que c'était ce niveau par contre. Vas-y, j'ai envie d'aller dans le 12, mais le 12 ça va être le 1, je pense. Je pense que le 12 c'est le 1. Ah non, c'est le 4. Oh putain, on a jamais fait le 4. J'ai zappé le 4. C'est honteux. J'ai zappé ce banger. Je m'en veux énormément. Toi, ton canon, il sert à rien de mémoire, non? Mais là, à part le 1 et le 12, on a tout fait, non? Attendez, le 1, le 12 et le Bowser 3. À part ça, on a tout fait. Oh non, juste... Débarre si c'est le bon. Ah oui, d'accord. J'étais en mode, ah, j'ai le jeu, trop facile le jeu. Il fait spawn l'étoile à l'autre bout de la map, frère. Oh, comment je me suis fait karma instant. C'est quel numéro l'étoile du pingouin, s'il y en a qui savent dans le chat, mais je sais pas si vous savez des trucs aussi précis. Pour moi, c'est celle-là, là, la 2. Ah, j'hésite. Est-ce que c'est la 2 ou est-ce que c'est la 3? Non, mais non, la 2, c'est la course contre le pingouin, ça change pas. Je pense que c'est un invariant. Faut acheter des lunettes à la mère pingouin, là, j'avoue. Allez. TTC, le retour. Non mais les raids de ça, c'est bon, c'est mort. Ah, il y a une étoile. En fait, ça m'étonnerait qu'il y ait une étoile parce que je crois que de base, oui. De base, c'est un spot à étoile ici, donc ça aurait pas de sens d'avoir remis une étoile. La cam est trop dégueu, je suis désolé. Vas-y, on va aller essayer de choper ça sans se viander. Hop. Ok. Attends, il y a un Todd qui doit nous rincer ici, mais c'est peut-être que à partir de 50 étoiles. Ah, il y a moyen que ce soit que à 50 étoiles en fait, vu qu'on n'est pas censé être là avant 50 étoiles.
Je vois pas de Todd pour l'instant. Ah, je voulais plutôt l'autre côté, mais vas-y, je vais essayer de me souvenir ce que c'est, ça. Ah oui, non. Effectivement, on va aller mieux l'autre côté. Vas-y, je vais retourner dans le 1, je sais plus ce que c'est. Ah mais non, si, c'est Bowser 2, ça. C'est Bowser 2, on s'en fout. Et ici, c'était quoi? Ah ouais, le 13. Ah, le 13 qui avait que des... Ah ça, ça va être facile normalement. Je pense que ça va être facile. Sauf s'ils nous ont foutu le Wiggler dans cette zone, mais ouais, non. Il n'y a pas la place. Il y a trois pièces rouges au même endroit. J'aime pas trop ce passage là. Ok. Je viens d'arriver, c'est quoi le fonctionnement ? Bah en gros, pour faire simple, c'est Mario 64, mais... Lui, il donne rien. Ah si, putain, ok, ok. Donc ils ont un... Ouais, d'accord, donc ils peuvent bouger à ce point-là. Le fonctionnement, c'est genre Mario 64, mais tout est mélangé, en gros. C'est le monde 2, ça, du coup ? Ah non, c'est ce monde de merde. Et là, pour le coup, on a déjà tout. On peut quand même voir ce que ça fait de faire ça, mais... Est-ce que ça va nous remettre en plein milieu du château ? Ouh, je viens de penser à un truc. Ok. Je viens de penser à un niveau où on n'est pas allé voir. Et je sais où il peut être, le 12, alors, aussi. Ah, ça, très bien de nous en refaire un, parce qu'on a fait vite fait, ça. Ça, on est allé assez vite. On peut essayer d'aller choper cette étoile. Merde, j'ai raté le frérot. Il est parti où? Ah, il est toujours là. Oh, l'emplacement de bâtard. Il y a de grandes chances que je meure là quand même, hein, on va pas se mentir. C'est un peu chaud de faire cette manip. J'y suis vraiment allé en légende, mais fallait pas se foirer. Ouais, le tableau grand et le tableau petit ont l'air de faire la même chose, Roussette, hein, vraisemblablement. Ah bah voilà, le monde 12, il est là. Oh, c'est trop bizarre. Oh, l'ambiance est tellement bizarre. Wouah, l'ambiance. Il y a beaucoup de pièces de rap dans celui-là de mémoire. Hein. On va peut-être pas trop troll, mais il y en a quand même pas mal, je crois. Par contre, c'est dommage que la cam ne suive pas souvent. La cam, c'est pas la même que Mario 64 original. Une popular opinion, j'aime pas trop le monde 12. En vrai, je crois que... C'est pas si impopulaire que ça, hein. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont pas fans du monde 12. Moi, c'est mon niveau préféré, certes, mais bon. Chacun ses goûts, en vrai. Hein.
Faudrait ajouter les bruitages en random, ce serait insupportable. Ah ah. Bon, y a déjà pas mal de trucs insupportables dans le jeu, hein. Je pense qu'on est déjà pas mal, hein. Bon, je suis juste venu voir s'il y avait des gold. Il n'y a pas de gold. Il y a une étoile en haut de la montagne, ouais, ok. Je vais essayer de le choper par là quand même. Ce serait mieux. Donc 33 gold, ce qui est vraiment pas énorme en soi. Du coup, on va redescendre faire le niveau en dessous. Alors là par contre, oh, c'est la musique de sélection de fichiers. Oh, c'est la musique des sélections des fichiers. C'est vraiment pas du tout adapté, ça me régale. Ça va être trop chaud de choper les golds en vrai, non? Oui. Ah. Il nous faut celle-là. Je pense que là, il nous faut celle-là aussi. Et celle-là, parce que sinon je peux pas faire de dinguerie. Non mais il y en a trop que je peux pas attraper là. J'espère que ce niveau-là il est large sur les golds parce que c'est une catastrophe pour l'instant. En fait elles sont pas trop rangées par 5 hein. Après tu peux toujours faire des trucs genre tu fais ça pendant une demi-heure et tu peux en choper plus quoi, mais bon. J'ai pas cette motive-là non plus. Je le fais un peu parce que là, je pense vraiment que sinon, on risque d'être ric-rac. Oh, il n'y a pas d'autre ici. Ok. Ok, c'est un peu léger. Hein. C'est un peu léger. Ah, il y en a quelques-unes par là. Il y a un beau bombe aussi qui est... qui prend sa meilleure douche là. Petit Bobombe se baigne dans la rivière, bien sûr. Ok. F. Potentiellement paumer une gold, c'est pas grave. Alors ça on va taper avec précaution, mais je crois pas qu'il y ait d'étoiles dans des blocs dans ce niveau. Ah, c'est une vie, on s'en fout. En vrai pour les vies c'est extrêmement généreux le jeu parce que du coup bah... la plupart des étoiles sont hyper simples à prendre. Et du coup il y a souvent des vies à des endroits vraiment trop, trop faciles vu que... vu que les spawns sont déplacés, les vies qui ont tendance à être à des endroits un peu difficiles, le sont plus du tout. Par contre, la dernière pièce rouge, je pige pas du tout où elle est. Mais je crois que j'ai pas trop fait cette zone-là, en fait. Je suis en train de me dire, j'ai pas dû aller par là. Là, genre, non. Non. Ah, merde. Bon, ça m'embête un peu, ça. Il n'y a pas l'air d'y avoir vers le Wistiti non plus. J'arrive à l'avoir le Shuka là. Ok, ça va, ça aurait vraiment pu être pire. Mais ce Shuka, j'aimerais bien l'avoir pour choper ses golds, mais... mais je vais me galérer en vrai. Comment je remonte là? Je peux remonter? Non, je peux pas trop. Hein. À moins de faire un petit subterfuge, mais... en vrai, c'est possible de remonter, mais c'est juste pas facile. Voilà. Donc, Shuka. En plus, je vais tellement galérer pour choper ces golds. Ok. Il nous manque toujours une pièce rouge. Dont j'ignore complètement... l'emplacement. Ah,
Voilà, voilà. Alors, où c'est que ça va spawn? Je crois qu'on avait vu tout à l'heure. Ok. Vers l'endroit des pièces rouges, quoi, en gros. Très bien. Il me semble que c'est plus bas, hein. Il me semble que c'est plus bas. Genre là, on a une petite ligne droite et c'est en dessous, genre. Ah, oui, si, c'est ça. Oula. Ok. 51ème étoile, plus que 19. Donc attends, tout à l'heure on a fait quoi, le pingouin? Pff, les 100 gold ça va être trop chiant. Les 100 gold ça va être trop chiant, les pièces rouges il y a moyen que ce soit trop chiant aussi, on va voir. Après les 100 gold c'est une map dans laquelle il y a de la marge de mémoire. Mais bon, on n'a pas forcément... En fait, là, c'est je veux trop passer un peu du temps dans les niveaux, mais je pense qu'on a large assez pour avoir 19 étoiles faciles si on voulait, en vrai. Donc ça, c'est le faux pingouin qui sert à rien. Ça me fume qu'il soit là. C'est vraiment l'endroit où... Putain, il y a forcément des gens qui doivent se faire baiser par ça et aller chercher le pingouin à un endroit horrible alors qu'en fait, il n'y a pas besoin, genre... C'est trop grave. Y'a que 2 gold hein, ici. Ouais, c'est ça. C'est un des blocs pièces bleues qui est le moins rémunérateur. Ah merde. Je sais pas si on peut remonter là. En vrai, je pense que c'est chaud. Hein. On peut faire comme ça. Attends, c'est où que je veux aller? Ah oui, c'est là. Ok. Ah, tout ça pour ça, je suis deg. Je suis deg. IAR. On s'est fait U. Après, je peux essayer de remonter ici à la dure. Ouais, il y avait des 5 pièces là, j'ai raté. Ah, le bon nominal, je pense que c'est chaud en vrai. Suis-moi, s'il te plaît, déjà c'est galère. Putain, j'avais même pas capté que la musique c'était vraiment la musique de l'écran titre quoi. Y'a rien du tout. $63, c'est pas beaucoup. Alors, par contre, on a toutes nos rouges si je dis pas de bêtises. Ouais, on a toutes nos rouges. Ah, genre là, il n'y a aucun moyen de tricher, là. Ok. Étoile numéro 4. Salut, Exa. Comment il va, Exaïd? Avec quelques gold là-haut, éventuellement. Toujours ça de prix. Et après pour le reste, je pense que ça va être dans la glissade et que ça va être relativement horrible. Y'a quoi au pied du... Non, y'a rien. Oh la musique. Ah ouais. Non. Attends, c'est quoi ce bloc là qu'on a vu? C'est méga chaud. Oh, les pièces, elles sont toutes à des endroits de bâtard. Non, mais il y en a assez, je suis confiant. Il y a 300 000 pièces ici de base. Putain, il y en a. Mais. Non, ils en ont enlevé beaucoup, mais c'est bon. Non, par contre. Ah, j'ai déjà oublié où avait spawn l'étoile des pièces rouges, par contre. Par contre, il y a un monde où de toute façon on va mourir là parce que les contrôles inversés comme ça c'est super dur. Surtout avec cette caméra. Après, on va pas trop vite.
Putain, le panneau. Ok, c'est bon. Donc on cherchait la 3. Oh l'angoisse. La 3 et... Non, la 4, ok. Voilà. Ah mais là ça tourne. Non mais ça veut dire l'horaire aussi est random. Je sais pas du tout comment c'est fait ça du coup. Pour ce qui correspond à l'horaire. Non l'étoile c'est celle du fond je crois. Je crois que c'est elle l'étoile. Non peut-être que non. Ah c'est ciao. C'est ciao. Donc moi je voulais aller... Je voulais aller dans celle qui fait de la lumière, donc l'autre. Je sais plus ce que c'était. Mais je crois qu'il y avait un niveau qu'on n'a pas beaucoup fait. Ouais. Ah bah c'est celui-là, ok. C'est une étoile ça il me semble. Hein. Merde. Non, c'est la carapace, ok. Là il y a la 2. On peut prendre la 2. Hein. Ah, faut pas mourir. Oula. Bon. On va rien dire. Donc attends, on avait réussi à farm les 100 et... Ouais d'accord. Donc il y en avait une tout en haut, on va prendre celle-là en se disant que ce sera une des plus chiantes à avoir. Ouais parce que le Ouistiti du coup... Putain ouais mais il y a deux Ouistiti donc je sais jamais trop... Hop. Y'a un cut ici, en vrai je pense que oui. Hein. Oula. Alors oui, mais faut pas se foirer quoi. C'est qui ça? Non, c'est Topi Top, ok. Donc là, il y a un Ouistiti et... Ouais, c'est lui qui va être le plus chiant. Ah, imaginez, celui-là, c'est celui qui vole la casquette. Moi je suis à chier, c'est grave. Comment ça, je me fais ratio par le Ouistiti? Vas-y, on va follow. Hein. Merde. Vise le Ouistiti un peu, toi aussi. Je vais juste me focus moi, là. Ouais. Mais tu vas nous emmener où avec ça? Hein? C'est où ça? Et attendez, c'est où ça? Casse-toi, toi. Vous savez quel numéro d'étoile c'est? Bon, déjà, c'est pas la 6. C'est la 1? Je crois pas que c'est la 1. Hein. Non, c'est pas la 1, ça. Hein. Pour moi, c'était là-dedans, là, par là, genre. Un endroit de merde ici, non? Quelqu'un sait c'est quel numéro, l'étoile du Ouistiti, en vrai? Ah, peut-être elle, en vrai. La 2, ça me parle bien, ça. Vas-y, je la prends. Je pense que c'était la 2. Vous me confirmerez dans le chat. Ouais, 2, hein. Faut pas que j'oublie, j'essaie de le faire après. J'ai une idée pour la suite. On voulait faire quoi là déjà?
Merde, je voulais pas faire ça du tout. Non mais casse-toi. C'est une dinguerie. Il y a un moyen d'accéder à... Je sais pas comment elle est foutue cette map exactement. Ouais, non, là c'est chaud de faire un saut... Un saut pixel comme ça. Mais imaginez, il n'y a pas du tout d'étoiles là-bas. On aurait le mort. Ah, je pense que le saut à cet endroit-là, il est méga chaud en vrai. Très très chaud. Bon vas-y, je vais faire le truc que je voulais faire depuis tout à l'heure, parce que je pense que je sais où est le monde 1. En fait, il y a quoi qu'on n'a pas testé? Il y a que le monde 1 là qui nous manque. Il y a que le monde 1 qui nous manque ou il y en a un autre? Moi, pour moi, on a eu tous les mondes sauf le 1. Mais je peux dire de la merde. Hein. Il peut en manquer un autre. Putain, il en manque un autre, je suis trop bête. Il en manque un autre, c'est du coup le... 7. Il nous manque le 7. Et le 7, je sais où il est. Et en fait, on n'a jamais pensé à y aller alors que c'était tout bête. Enfin, non, en fait, le 7 ou le 1... est forcément dans la mare du monde 6. Sauf que le monde 6, j'ai complètement oublié où il était. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Rainbow Road, on l'a déjà eu. Je sais plus où il est du tout non plus, Rainbow Road. On l'a eu tellement tôt, je dirais peut-être que c'est d'ailleurs dans la mare, justement. Mais j'avais pas capté ça quand j'étais encore... quand je commençais sur le jeu, j'avais pas capté le truc encore. Mais là, c'est sûr, il nous en manque un ici. Donc ce sera le 1 ou le... Le 1 ou le combien, on a dit ? Le 1 ou le 7. J'aimerais vraiment beaucoup faire... en vrai, les deux. Mais surtout le 7. J'aimerais beaucoup faire le 7, en vrai. Merde, c'est le 1. Oh, le spawn de fou. Oh, le spawn de fou. Débarre. Je pense qu'il y a moyen d'avoir les 100 gold sans casquette télé. Vu que les anneaux là, ils sont placés un peu au ras du sol. J'en peux plus des musiques, frère. C'est une dinguerie, ça tombe toujours sur celle-là. J'en ai trop marre, ça tombe toujours sur celle-là. C'est pas possible, sans déconner. Comment on fait pour l'oral, les musiques, quoi? Je veux pas la descendre, toi. J'ai mal à la tête. Musique de baisse de fou, hein, bien sûr. Bon, on va quand même aller farm ces petites pièces. Vraiment pas hyper rentable, mais bon. Goombas. Vas-y, je prends tout ce qu'il y a sur le chemin, en vrai. Putain, le roi Bobomb, il est là, tranquille, en train de nous attendre. Il a eu la flemme de monter sur sa montagne. J'avoue, j'aurais peut-être dû... Ouais, non, c'est bon. Ok, la 3 est là, on va pas la prendre pour le moment. Ça, c'est l'étoile de... sur l'île, quasi sûr. Ok. Pourquoi il tourne le bloc? C'est trop bizarre. Merde! Merde! Faut casser contre un mur, c'est important. Contre une bombe, je sais pas si ça marche. Contre un autre bloc, peut-être.
Peut-être c'est possible. Ok. Alors pour moi, j'aurais dû avoir plus de gold par contre, mais vas-y. Hein. Ok, on est déjà à 79. Je pense que ça va le faire en vrai. Pour les 100 pièces. Je sais pas pourquoi je fais un niveau super long alors que la musique est horrible. Enfin, pourquoi je fais une étoile super longue alors que la musique est horrible, mais tranquille. Non, j'espère que vous kiffez la musique là. Ah, la cam par contre ça marche toujours pas. Hein. 11, 92. Ouais, mais toi tu vas me faire chier toi. Bon. T'as par contre on a que 4 rouges. C'est léger. Non, 4 rouges par contre c'est léger. Ah, y'en a une là-bas déjà. Attends, j'avais pas fait cette partie du niveau. Ok, on a nos 100 gold. J'espère que vous vous enjaillez avec cette musique de fou. Sans gold, sans aller sur la montagne, j'avoue. J'avoue, en vrai, c'est clean. C'est parce que je pense que... Qu'est-ce qu'il y a sur la montagne, du coup? En vrai, j'avoue, sur la montagne, il doit pas y avoir grand-chose. Mais c'est l'île, hein, c'est l'île en particulier qui a dû se faire... un petit peu... réduire. Ouais, ouais. C'est ça. Bon, elle est où la DR? Non, elle était pas en bas là. J'ai vu un truc en bas, je sais pas si c'était une pièce rouge ou pas. Non, elle est là la DR, ok. Ah, le ciel il a pas changé, ou alors pas beaucoup. Ok, la 4. En vrai, si je refais tout le chemin depuis le début, je trouverai le niveau qui nous manque. Genre là, je pense que ça c'est Rainbow Road. Ah non, ça c'est ça. Ok, Rainbow Road, je pense que c'est dans l'eau. Je pense que Rainbow Road, c'est le truc derrière dans l'eau là. Ah non, ça c'est le monde 3. Monde 3, on peut choper... Ouais, il y a des étoiles faciles, là. Il y a des étoiles faciles qu'on n'a jamais eues dans le monde 3. Non mais attends, il y avait des étoiles en plus avant, là. Non mais il y avait pas des... Sérieux? J'avais trop le souvenir qu'il y avait des étoiles hyper easy partout. Elle est où l'anguille là? Pour jouer avec l'anguille hein, sinon hein. Mais je déteste l'anguille. L'anguille est beaucoup trop forte aussi dans ce jeu. F. Ouais, elle m'a pas eu. Ouais, elle m'a raté. Ouais, elle m'a raté, ça j'aime bien. Elle est sortie? Elle est pas sortie, putain. Avec sa hitbox impossible, là. Bon, là, je crois qu'elle m'a suivi, par contre. Là, si elle est pas sortie, c'est sus, hein. Quoi? Eh hey, vas-y l'anguille, tu vois pas que là je vais là. Mais c'est une dinguerie frère, pourquoi elle sort pas l'anguille?
Ok. La hitbox de l'anguille, c'est vraiment une dinguerie, hein. Voilà, donc là, si je vais là... Voilà, je vais vous montrer. Alors, pour moi, du coup, là, si je vais là... Hop. Et que ensuite je vais là... On va être dans le monde 7, pour moi. Voilà. Oh. Oh, la gueule. Oh, des barres. Oh, le bully qui s'est fait bully. C'était la première seconde de jeu. Vas-y, hein. Eh, stylé, j'aime trop, je suis trop content d'avoir pu y accéder, j'aurais regretté. Ça fait trop bizarre avec cette ambiance-là. De toute façon, c'est un niveau que j'adore de base, donc bon. Bref. Bon, je vais prendre les rouges, mais par contre, je vais pas prendre les 100 parce que... Les 100 dans celle-là, je pense que ça peut être chiant. On l'aura visité vite fait, hein, du coup. Ouais. Attention, quand même. Ah, mais elles sont où, les rouges qui manquent? What? Le niveau, il est tout petit, comment je les rate? Attends, comment je rate deux rouges, là? Une, à la rigueur, je veux bien, mais deux... Ah bah, ok. Ouais, le ciel se reflète un peu dans la lave, on dirait, ouais. Merde. Ah ouais, la musique est moins bien. Ok. Plus que c'est ici, mais ça doit être Rainbow Road. Et il nous restait plein d'étoiles faciles. C'est ça? Non. Non, mais la Rainbow Road, je sais plus où elle est. Hein. Peut-être ici? Ouais. Oh non, putain, le spawn! Un sup. Oh, c'est une dinguerie. Il y a vraiment trois étoiles au même endroit. Putain, j'ai pris celle que je voulais pas, c'est pas grave. Il faudra réouvrir cette boîte. Mais là, on arrive vers la fin, les amis. En vrai, ça enchaîne bien, là. Là, ça enchaîne pas mal. Plus que 10. Bon, ouais, celle-là, c'est vraiment scandaleux de... Si je remeurs de manière nulle... En vrai, on peut aller dans la pyramide, mais ça sent le bourbier, quand même, hein, cette affaire. Ouais, elle a deux, là-bas. Allez, hop. Donc, ici, c'était quoi? C'est le monde 2, là? Non, le 12. Ouais, ok. Bon, le 12, easy aussi. On avait pas mal d'étoiles. On a une étoile tout en haut. On peut aller prendre celle qui est tout en haut. On l'a toujours pas prise, finalement.
J'espère qu'il y a quelque chose à me proposer en dessous. Oh, le mur invisible. Je savais pas qu'il était aussi close. Ah, il y a un monde où ça va pas passer ce que je suis en train de faire. Ok. Mais il y a un monde où il y aura juste pas d'étoiles ici. Je viens de capter que le numéro 6, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Oh, il y aura tellement rien ici, c'est sûr, ils ont vidé la zone. Je pense vraiment que la zone est toute vide. Effectivement. Il n'y a rien ici. Du coup, si j'avais pas débloqué le canon, j'aurais été softlock. Tu stream jusqu'à quelle heure? Je pense que en vrai, je ferais pas beaucoup plus que les... Il y a moyen que je m'arrête après... Après avoir terminé ce jeu, qui est ma foi fort sympathique. Mais je pense qu'on aura fait un bon live déjà en vrai. On verra hein. Bah tiens la 6 ici. Non la boule, je veux pas te parler. Il y a trop d'étoiles où c'est un peu osef parce que bah genre la boule c'est un peu du scam, c'est juste tu vas faire le truc de la boule normal et après il va juste te faire spawn l'étoile à un autre endroit, c'est pas les plus fun en vrai. Je sais plus ce qu'il y a là. Bonsoir Crady. Ah merde, c'est ce niveau de merde. Vas-y, mets-moi une étoile ici s'il te plaît. En dessous, c'est pas l'endroit où il y avait aucune étoile et je me faisais baiser à chaque fois, si je crois. Il y a une étoile vers le spawn, c'est sûr. Une étoile vers le spawn, mais putain, comment on descend jusqu'au spawn? Là, c'est une étoile ici. Non. Vas-y, je prends celle-là. 64! Ok. Je sais plus ce que c'est ça, mais je crois que j'aime pas. Ah si, Womb Fortress, en plus on en a fait que une ou deux. Ah oui, en vrai, why not? Je crois qu'il y en a une juste... Oui, il y en a partout là, elles sont trop simples. En vrai, on pourrait presque y retourner. Sauf ça veut dire qu'il faut retourner tout en haut. Là-dedans, je crois qu'il y a rien. Je crois que c'est la casquette bleue. Il me semble que c'est la casquette bleue ici. Ah non, putain, c'est cette merde. Oui, donc du coup... Ouais, du coup, ça va quitter parce que vraiment la flemme pour le coup. Parce que je retourne pas exactement au même endroit. J'en ai fait une entre les deux. Ah oui. Ah, parfait. Il y a beaucoup d'obstacles, hein, quand même. Here we go. 66. Je suis encore tombé de côté. En vrai, ça va devoir tenter l'intérieur de la pyramide. Hein. Mais en vrai, je suis curieux d'un truc, c'est que l'intérieur de la pyramide, en vrai, t'as forcément une étoile qui doit être quasi identique à celle de base. Pour une raison pratique un peu nulle. En fait... Quoi? C'est trop grave, frère. Trop grave.
Il y avait rien par ici en plus, hein. Il n'y a pas d'étoile ici, il me semble. Ah si, il y en a une là, c'est super. C'est parfait. Ah, il y en a une juste à côté même. Putain, mais comment on est rentré là-dedans? On est rentré là-dedans avec le monde de la pyramide, je crois. Je vais retourner là un peu, on n'est pas tant allé ici, je crois. Je crois que ça, c'était le 2. Je sais plus lequel c'était, ça. C'est quoi? Ah merde! Oui, non, d'accord. C'est reparti pour le 8 encore. Ah ouais, mais ça, l'endroit où on spawn m'intéresse très très peu en vrai. Donc là, maintenant, il veut juste voler la casquette, lui. Ok. Ah ouais, il est chaud en plus, le bâtard. Il est chaud de fou. De toute façon, en fait, je suis en train de me dire, si je rentre dans la pyramide, ça va pas forcément me faire spawn au même endroit. En fait, là, si on rentre dans la pyramide, il va pas forcément nous faire spawn à la vraie entrée de la pyramide, si. Non. Putain, faut trouver l'étoile là-dedans. Oh, l'enfer. Et c'est encore là. C'est encore cette musique, hein. C'est quand même une dinguerie. Pour l'étoile des secrets, c'est hors de question, je pense. Oh, tu pouvais pas... Oh, comment je... Ouais. C'est... Bien visé. Ah ouais, non, mais là, je suis à... Ah non, il y en a encore une en bas. Il y en a encore une en bas. Allez, 68. Ça, c'était quoi? Ouais, c'était le 10. Le 10, il nous en restait des faciles hein, aussi, il me semble. Surtout que j'ai pris celles qui sont à l'intérieur, donc... Le 10, il nous restait... On peut faire, en fait, on peut même faire le moche glacé, en vrai. Mais il y a sûrement plus facile. Celle-là, je crois qu'on l'a déjà prise, malheureusement. Merde, et j'ai fait une attaque rodéo, du coup, il va l'attraper direct. Bon, après, c'est à côté, en vrai, ça va, c'est à côté. Quand j'étais rentré dans... Ouais, si, ok. Ok. Voilà, moi je pensais... Ah ben il y en a une qui est juste là, sinon. Bon, ouais, on va voir. On peut limite faire les deux, quoi, et après... Ça va se taper contre Bowser. Sauf s'il fait spawn l'étoile là en plein tout en haut de la montagne, j'aurai la flemme de fou. C'est un peu loin, mais ça va. En vrai, ça va. Putain, mais il y a deux... Ouais, ça va. Faut juste que je me rappelle comment j'avais fait tout à l'heure pour monter à cet endroit-là. Je crois que j'avais fait un triple saut d'ici. Ouais. Ok. Petite last. Et puis Bowser. Je verrai si je m'arrête ou pas. Il y a Mouai. Donc du coup, il y a plein d'étoiles sur les murs. Si on spawn à peu près dans la zone, c'est bien. Je crois qu'on est... Ah non, non, ok. Non, c'est pas l'endroit le plus opti, mais... Bon, vas-y, ça va pas être long. En vrai, c'est vraiment pas loin. Bah, faut pas abuser quand même. On est quand même relativement gifted là-dessus. Et on va aller faire le niveau final, donc qui sera probablement très rapide en vrai. Je pense que 100% un truc pareil, ça doit être bien chiant par contre. Hein. Je pense que 100% un truc pareil, ça doit être bien chiant, mais j'ai pas du tout été méthodique et intelligent. Donc en vrai, ça n'aide pas. Mais quand même, je pense que vaut mieux
Je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certaines étoiles des 100 pièces qui devaient être très compliquées à faire, voire peut-être impossible dans certains cas. Ça va être très rapide. C'est stylé avec le ciel comme ça en vrai. Ça donne un côté Rainbow Ride justement. Ça fait un peu penser à au niveau 15. Il y a un petit flow niveau 15 du coup. Voilà, du coup le niveau très très rapide hein, bien sûr. Mais ouais, avec 100 000 possibilités différentes, hein. 100 000 possibilités différentes, là, c'est-à-dire que là, je... C'est pas... Si vous jouez au jeu, vous aurez pas forcément les mêmes seeds que moi. Enfin, du coup, il fait trop penser au premier Bowser, de fait. Merde. Tiens, c'est marrant, il a pas cassé un... Il a pas cassé un quart. Par contre, cette musique, je pense que la proba de tomber autant de fois sur cette musique, c'est vraiment une dinguerie. Ah, ça y est, il casse un petit quart. Pas un quart du tout, d'ailleurs, hein. Mais vous avez capté. Ça, c'est bon. Ouais. Ok. Bon, c'est pas un cinquième non plus qui casse, parce que c'est bien moins d'un... Wow. C'est bien moins d'un cinquième de la map en soi qui dégage, mais... Mais bon. Je sais pas que dans quel monde j'étais encore dans la hitbox, mais vas-y, hein, tant mieux. Ça passe, normalement. Ouais. Et... Putain, on est pile au milieu, c'est chiant. Ouais, là, ce sera la mieux. C'est bon. Ok. Toutes les musiques ont la même chance de tomber. Bah j'imagine que oui. Officiellement la pire seed musicale sur 100 000. J'avoue que franchement c'est abusé ce qu'on s'est tapé. Le nombre de fois où on s'est tapé cette musique, c'est quand même une dinguerie. Ok. Donc nous on avait la seed 01-257. Et voilà. C'est une dinguerie, franchement, les musiques qu'on a eues. Jusqu'au bout. La musique du carrousel et la musique de l'escalier infini en boucle dans mes veines, bien sûr. Mais du coup, je sais pas si ça va modifier la musique de fin ou pas. J'aurais tendance à dire que non, parce que c'est une musique un peu semi-cinématique. Donc je pense que la musique de fin sera la même, vraisemblablement. Là, pour la musique de cinématique, ils l'ont pas changée. Est-ce qu'elle va dire autre chose? Non, je pense pas. Ou alors, elle va juste pas parler. Je sais qu'il y a des hacks ou juste... Non, si, elle parle. Ouais, non, c'est pareil. Ouais, je pense que c'est finito, il y aura plus de modifications. Mais en tout cas, c'était très sympa ce petit... Ce petit hack. J'avais envie de tester et c'est sympa parce que ça permet de faire du Mario 64 de manière un peu illimitée et avec toujours de nouveaux challenges. Même si c'est pas forcément... Il y a des étoiles, bah c'est juste... Bah tu les vois de loin, elles sont à des endroits random. C'est pas ultra fun à ce niveau-là, mais... Mais il y a plein de petites surprises un peu sympas. Tu feras un jour une race sur une seed contre quelqu'un genre Kukuristo. Ça pourrait être marrant en vrai de faire un... une course, ouais. Une course sur une seed en particulier, j'avoue. Ah, du coup, on voit Mario qui spawn à des endroits random, toujours. Ça nous permet de voir un peu tous les niveaux, c'est sympa, j'avais pas pensé à ça, c'est cool.
Donc là, on voit tous les trompes qui étaient mal positionnés. Là, on voit encore Mario. Et bon, pas grand-chose sur cette map-là. Mais ouais, ça peut être sympa en course. Le premier qui arrive à X étoiles, ça peut être cool. Il y a un mode prédéfini dans le jeu où tu peux choisir 30 étoiles pour ouvrir l'escalier de fin. Ce qui est pas mal. Ça pourrait être une run 30 étoiles, quoi. Le premier à avoir battu Bowser après avoir chopé 30 étoiles. Wiggler qu'on n'est pas du tout allé voir. Pam 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 pam. Et oui, même la cinématique de fin s'adapte du mode aléatoire. Trop bien. Alors, trop bien pensé? Non, c'est pas une question de trop bien pensé, Max. C'est parce que c'est... Ce serait pas possible de faire autrement, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la cinématique de fin, elle est générée avec les vrais niveaux du jeu. Donc si tu modifies les vrais niveaux du jeu dans la ROM, ça devient, de fait, les niveaux... Enfin voilà, ça devient... Enfin, les modifications sont incluses dedans, en fait. Mais en tout cas, on a traversé tous les niveaux au moins une fois, et ça c'est cool. Je crois qu'on a récupéré une étoile dans tous les niveaux aussi. Non, on n'a pas récupéré l'étoile de la tour ailée. Et franchement, c'est pas une grosse perte, on va pas se mentir. C'est moche. Le 5 tout pixelisé là. Pam 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 pam. Oh le lac qui tue, il est bizarre là. Non, quoique. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Salut la Poiscaille, c'est Chris, bien sûr. Non, la musique des crédits est pas random. Mais peut-être on aurait pu l'avoir dans d'autres niveaux si on avait eu du bol. Ça, je pense par contre que c'est pas impossible, Roussette, parce que on a eu genre la musique des sélections de fichiers et tout. Alors que la musique de sélection de fichiers, quand on a sélectionné le fichier, c'était la bonne, je crois. Donc ça, je sais pas à ce niveau-là. Ok. Eh ben, c'était chouettos.